Bonjour. Alors, on va regarder ensemble comment faire du sable sensoriel, c'est-à-dire un sable qui permet après à l'enfant de s'amuser pour le toucher dans l'idée de faire des nouvelles matières. Pour cela, il nous faut une mesure d'huile et 8 mesures de farine. Une mesure d'huile. Et ensuite, on malaxe avec les mains. C'est une partie que vous pouvez faire avec votre enfant, toujours dans cet objectif de toucher la matière. L'objectif, c'est de bien répartir l'huile partout dans la farine. Évidemment, ça garde une texture un petit peu friable, hein. L'avantage, c'est que c'est assez malléable. L'huile permet de faire des espèces de boules comme ça et en même temps que ça reste complètement friable. Donc c'est une texture qui est très agréable, qui est toute douce. Une fois que cette texture neutre est faite, on peut ensuite s'amuser à la colorer ou même à lui donner des odeurs. On va essayer différentes choses. On va d'abord essayer de la colorer avec de la craie. Je vais colorer une partie de mon sable avec cette craie bleue. L'idée, hein, c'est que l'enfant puisse expérimenter différentes sensations et différentes sensorialités. Que certaines soient de différentes couleurs et puis d'autres plus neutres. On peut essayer aussi de donner une odeur. Par exemple, là, j'ai de l'arôme naturel de vanille. Donc ça abîme pas la texture parce qu'on n'en met pas trop. Ça sent très fort. Donc ça permet d'avoir du sable qui sent bon. Pour mon troisième bol, je choisis de lui donner une texture différente des deux autres pour avoir encore d'autres sensations au toucher. Je vais rajouter de l'huile. Ça fait une texture plus pâteuse qui est aussi toute douce et assez agréable. L'idée ensuite, c'est quand c'est possible de permettre d'avoir des grands bols ou des grands bacs dans lesquels l'enfant puisse s'amuser à manipuler. Pour ça, on peut aussi lui proposer des jeux pour s'amuser à faire passer, par exemple, le sable à travers ou tout simplement des jeux de contenants où l'enfant peut s'amuser à remplir, à vider, à transvaser. Voilà, que ce soit vraiment un jeu sensoriel. Amusez-vous bien !